Bonjour, nous allons tenter ce jour de savoir qui se trouve derrière le numéro de Louis Roman, dit Louis la Brocante. Le numéro de téléphone qui est en effet inscrit sur la camionnette. Donc voilà, nous allons nous y lancer, j'espère avec un certain résultat. Je compose le numéro. Et nous n'aurons plus qu'à croiser les doigts. Ça sonne. Allô? Allô? Suis-je bien, s'il vous plaît, au 0478 12 47 30? Oui. Ah, bonjour monsieur, je suis très enchanté de vous avoir au téléphone. Voilà, en fait, je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Donc, en fait, nous avons votre numéro, bien évidemment, grâce à l'énorme publicité qu'elle fait autour de vous. Et nous avons une maison qui est un petit peu compliquée. On va dire qu'elle est située sur les territoires belges. Et il y a beaucoup de contenu intéressant. Et alors, il y a aussi notamment un problème où il y aurait cette une tante hein, qui nous a fait don de cette maison. Et la tante aurait mis quelque part de l'argent dans des enveloppes. Ou alors dans les draps, elle était un petit peu maniaque et folle, on va dire, et on n'arrive pas à trouver les enveloppes. Alors, il y a quand même une grosse somme assez importante dans la maison. Et donc, on se demandait si jamais on faisait affaire avec vous pour vous occuper donc de vider en notre compagnie la maison. Si vous retrouveriez les enveloppes, est-ce qu'on pourrait convenir de 50-50 sur les sommes perçues? Ben, cette maison-là, elle se trouve près de Dottigny. Dottigny. C'est ça. C'est côté de Louvain-la-Neuve, ça, non? Dottigny, c'est près de Moucron. Ah oui, Dottigny aussi, c'est côté de Moucron, oui, c'est juste tourné Moucron, c'est vrai. Oui. Donc voilà. Oui. Ben écoutez... Moi, je ne sais pas comment on peut faire si jamais... je vous rappelle, parce que bon, c'est vrai, c'est compliqué. Là, on y va encore une journée, on va profiter du week-end qui arrive. On pourrait vous donner rendez-vous. Ce serait un plaisir de vous voir d'ailleurs, vous et votre camionnette, hein, votre fameuse camionnette. Et donc comme ça, en même temps, on fait connaissance, on fait une petite photo et vous commencez le travail de la maison ou quoi? Oui, mais écoutez, je sais, j'ai déjà eu ma place, mais c'est un numéro que j'ai, c'est le numéro de la brocante. Mais c'est pas... Comment ça? Non, c'est le numéro qui est sur la camionnette à la télévision. Ah oui! Ah bon, vous n'êtes pas Louis Labroc, vous n'êtes pas le monsieur qui fait vraiment. Non. Ah bon, s'il vous plaît. Il n'aura pas de photo. Ah, ouais, mais vous videz les maisons. Ne me dites pas que vous videz les maisons. Pas de maison. Ah, si vous voulez, il y a des affaires à donner pour emporter tout ça. Ah, mais non, mais moi je pensais que réellement il y avait tout un effet marketing derrière et je me dis, c'est pas. Moi je me dis, c'est pas possible qu'un numéro de téléphone sur une camionnette, il y a quand même quelque chose de vrai derrière, puisque les gens, bon maintenant, ou on vous fait des blagues, ou on vous appelle, mais moi c'était sérieux. Je me dis du coup, bon, on va téléphoner à ce monsieur-là, c'est marrant, il paraît qu'il a la même camionnette, on va se rencontrer, on fera des photos, et voilà, bon, et en plus du coup, il y a un gros pacteur à la trouver dans la maison, mais... Ah oui, là, en fait, oui, il y a des enveloppes cachées, j'aurais bien voulu avoir confiance à la personne, mais on c'est où, c'est dans le... Mais c'est énorme, c'est une... Je vais vous dire, j'ai pas trop le temps de jouer à ça, donc... Bon, et qu'est-ce que je fais, alors, pour vous, concernant Louis la Brocante, alors? Je ne saurais pas vous dire... Mais vous m'avez l'air sympathique, déjà, donc ça va, ça passe bien. Mmh. Ben oui, on m'a téléphoné du ministre de la France, on m'a téléphoné des Ardennes, on m'a téléphoné partout. Ah bon? Et voilà, non, c'est un numéro que j'ai eu comme ça, mais il y a un moment, j'étais prêt à aller à Proximus, ouais. pour changer le numéro. Hein. Et alors, à ce point-là? Oui, je l'ai pas trouvé, il y a un moment, c'était à minuit, 1h au matin. Ouais, mais on ne vide pas des maisons minuit.
Non, mais on me téléphonait pour me prendre mes nouvelles, pour demander surtout que Louis Labrocante l'avait opéré. Ah, ça c'est bien ça par contre. Ouais. Ok. Bon. On est, je suis honnête, donc. Ouais, mais ça c'est peut-être bien tombé, oui. Non, je ne pourrais pas vous dire. Et votre femme rigole derrière, j'entends, non? Ouais. Ok. Alors ce qu'on va faire. Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait. je dois être honnête aussi avec vous. Oui, oui. On est en train de vous faire une blague. Ah, vous êtes en train de faire une blague. On est en train de faire une blague, ouais. Ouais. Alors, je vais vous dire qui je suis quand même. Donc, je m'occupe de socioculturel. Oui. Voilà, donc je fais moi-même des farces parce que, on va dire que j'ai un petit côté artiste. Enfin, c'est pas ça que je ramène. C'est le fait que je fais passer des messages aussi. Et de temps en temps, j'ai peut-être une illumination. Et en fait, je suis en train d'enregistrer ce que je suis en train de vous dire. Ah oui, d'accord. Voilà, donc je me suis dit, bon, on va le piéger, c'est sûr, mais je suis content parce qu'en fait, d'emblée, en mon avis, j'avais senti que vous aviez déjà été pris, mais je me dis, non, mais c'est rien, je n'ai pas lui laissé le temps de parler, en fait. Donc, je ne vous ai pas laissé le temps de parler pour qu'au moins, ça ait un sens, quoi. Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas, résultat, ce que ça va donner. J'ai envie de le diffuser, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Non. Bon. Ouais, je vais faire... Non, je vais faire ça sur le net. Sur le net. Si après on a un problème, évidemment, il n'y a aucun souci, on élimine. Hein. Ça me va, je voudrais pas de problème. Voilà. Non. Mais je vous dis, il y en a qui m'ont sonné de partout. Donc... C'est génial. Bon, allez, on va essayer, j'espère qu'on aura du résultat. Ah, merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci pour votre gentillesse, monsieur. De rien. Oh, oui, au revoir.